Un don constitué de 1500 pastilles des purifications d'eau a été remis à la population du village Kiziba 2 en territoire de Niragongo, un geste de la Fondation Docteur Rwasamanzi qui a également sensibilisé les habitants de ce coin, longtemps butés aux difficultés d'accès à l'eau potable, sur les risques de la consommation d'une eau non propre. La Fondation Dr Rwasamanzi a remis 1500 pastilles de purification d'eau à la population du village Kiziba 2 du groupement Mudia en territoire de Niragongo. Obligés de consommer l'eau des lacs, voire celle des pluies suite à une difficulté d'accès à l'eau potable, cette population en a pris l'habitude sans s'inquiéter des conséquences pouvant en découler. Touchée par cette situation, la Fondation Dr Rwasamanzi a saisi cette occasion pour sensibiliser ses habitants sur les risques de la consommation d'une eau malsaine. La population de ce coin du pays a également été formée sur l'usage de ces comprimés de purification d'eau. L'eau à Goma, c'est un problème. Il y a toujours des pénuries d'eau à Goma. À Goma, comme dans les territoires de Niragongo. À tout moment, vous voyez les gens passer avec des bidons, ils vont au lac, ils vont dans des robinets, mais partout, l'eau qu'on y trouve, c'est vraiment sale. Dans Niragongo, vous trouvez dans des quartiers, Ndosho, Niragongo, même partout, même dans les communes de Goma, il y a toujours eu des problèmes d'eau. On consomme l'eau qui est prioritaire ici, c'est l'eau des lacs. Vraiment, on n'a pas d'eau propre ici. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de louer ce geste de la Fondation Dr Rwasamanzi et promettent d'en faire bon usage. C'est bien pour eux. Ça, microbe, mon maï, ça me fait bien.